Est-ce que toi aussi, t'as quoi où tu aimerais ranger un maximum de choses pour optimiser de la place dans un petit appartement? Viens avec moi, je vais te montrer. Ça, ce que tu vois derrière moi, c'est un meuble en carton que j'ai réalisé en 2014. On est en 2022, donc il a bien vieilli. Alors ici, en fait, c'est le coin où il y a mon chat qui aime bien se mettre là. Comme ça, il a une vue panoramique sur tout l'appartement et puis il peut aussi aller regarder dehors pour voir ce qui se passe. En fait, ça, c'est un coin que j'ai hyper optimisé. Je vais te montrer ce que j'ai fait à l'intérieur. Alors, tu vois, j'ai du mal à prendre le tiroir. Donc ça, c'est un tiroir dans lequel j'ai fait des petits compartiments pour ranger plein de choses. J'ai optimisé la place au maximum. Donc ça me permet d'optimiser de la place. Comme ça me permet de ranger des objets que j'utilise de temps en temps. Ça me fait en même temps un guide. Parce qu'en fait, tu vois, mon tiroir là, bah, s'il n'y avait rien des côtés, il se promènerait n'importe comment dans l'étagère. Et du coup, bah, le fait qu'il y a les petits triangles là, en même temps, c'est un double usage. Bah, du coup, ça me fait un guide pour mon tiroir, pour que quand je le mets, bah, il soit bien stable dans l'étagère. Si tu veux d'autres conseils sur le meuble en carton, n'hésite pas à t'abonner et à aller visiter mon site web allocarton.com. Dessus, tu trouveras plein de tutoriels et de vidéos qui pourront peut-être t'intéresser. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Bye bye!